non. Toutes les e-girls, ils vont l'équiper direct, c'est pour ça. Trop moche le chat. C'est quoi ce bout, on dirait un sextoy? Le couteau de ce battle pass, il est bien. On va aller voir le battle pass maintenant. Ok, battle pass le chat. Battle pass et après on ira voir Issou à la fin. Le meilleur pour la fin. C'est parti. Oh, c'est pas mal. Découverte du battle pass, acte 3, Ghost Liberto. Franchement, ça va. Pour un skin battle pass sur le Ghost, ça va, c'est pas moche, c'est bien. Porte-bonheur, Liberto, tambour. Attends, c'est un tambour ou c'est un chapeau? Ah non, c'est un chapeau. Ah oui, c'est les trucs un peu garde royale et tout. Ok. Radiant Points. Carte Liberto, joli. J'aime bien. Frenzy avec singe. Silhouette. Ok, bras de bridge. Non, c'est pas bras de bridge, c'est bras de caillou. Carte plan de ligne de fracture. Hein. Titre roquette. Oh, ce signe, j'aime bien moi. Je valide. Joli graffiti. Moi qui aime bien mettre des graffiti phoenix, celui-là on va l'équiper. Si on achète le battle pass, sinon on l'aura dans l'accessoire. Graffiti splash, nice. Radiant points. Carte en sablé. Marshall en sablé. Ok, peut-être qu'une game ça rendra bien. Porte-bonheur. Carte inarrêtable, Caillou. C'est marrant ou Caillou il est musclé là. Il est pas aussi musclé une game. Archi musclé. Graffiti Liberto. Ok. Radiant points. Porte-bonheur clé de sol. Moche. Singer Liberto. Ok. Moi j'attends les cartes d'agent le chat. Parce que c'est que les cartes d'agent que je trouve stylées dans les battle pass. Là c'est un tigre pour le judge. Carte d'issou. Putain, le carte d'agent d'issou il est beau gosse de fou hein, comparé aux autres cartes d'agent des persos. Graffiti cache-cache. Radiant points. Spectre. Attends, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce skin. Y'a pas un skin spectre comme ça en vert? Sauf que là, ils ont mis des trucs dorés au-dessus, là, en mode Asie, hein, dans League of Legends. Non, c'est pas Oni, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu un skin vert comme ça, vert-vert. Genre la même couleur verte sur l'aspect. Graffiti, on fait une pause. Graffiti, carton rouge. Ils adorent mettre Sage en avant dans les battle pass, j'ai remarqué. Oh, Aladdin. Porte-bonheur en sablé. Graffiti, électrochoc. Ils sont bons sur les graffitis, hein. Operato Liberto. Oh! J'aime bien ce carte d'agent. Vous en pensez quoi le chat? Moi je suis un fan des cartes d'agent. Je trouve ça trop stylé. C'est ce qui fait du kung fu. Avec la petite orbe. Elle est bien, hein? Putain. Graffiti, pari audacieux. Je comprends pas. C'est pas la rêve du truc. Vous avez la rêve du truc? Graffiti, pari audacieux. C'est pour dire quoi que ça? Installe le crayon, Radiant Points. Graffiti, silhouette. Oh! Putain, on est vraiment dans le thème un peu asiatique le chat. Attendez, j'ai coupé la musique du jeu là depuis tout à l'heure, ça me rend malade. Allez hop, dégage. Tac. Arrêt silhouette. Porte-bonheur. Murmure d'hiver. Oh les beaux gosses. Carte spectrale. Spectacle nocturne. Regardez-moi Brimstone le chat. Regardez-moi Brimstone. Ça c'est Brimstone ça. Wesh. Brimstone il est archi BG. Ah, c'est pas Brimstone, c'est Arbor. Attends, c'est Brim ou Arbor? T'arrives pas à savoir. Non, mais Arbor, il a les cheveux longs un peu plus longs. Non, c'est Brimstone le chat. Dès qu'il y a Sage, il y a toujours Brimstone dans les parages. Je pense que c'est Brim. En fait, dans le lore de Valorant, j'ai l'impression que Brim et Sage se considéraient comme les mamans et genre les darons, tout ça, tu vois. Et Raze, Neon, Jet, tout ça sont considérés comme les enfants, entre guillemets, tu vois. Genre Reyna, en fait, ça c'est les parents, ça. Ici c'est les parents, là-bas c'est les enfants. Donc les joueurs de Raze, là, vous êtes des gamins. Les joueurs de Neon, vous êtes des gamins aussi. Après, Phoenix, je sais pas, il est à quelle table, frérot. Mais là, rien que là, on voit, hein. Brimstone, beau gosse de fou. Vous pensez vraiment que c'est Arbor? Non, c'est pas Arbor le chat. Si vous pensez que c'est Arbor dans le chat, tapez 1. Si vous pensez que c'est Brim dans le chat, tapez 2. Je pense que c'est Brim. Non, là on voit que c'est Brim le chat. On peut pas dire que c'est Arbor. Non, c'est Brim. Ça peut pas être Arbor. Arbor il a les cheveux longs le chat. Je vais montrer tout à l'heure Arbor. T'es mal comment il est stock. Arbor il est stock, mais je crois que Brim il est encore plus buff. Oh non. Toutes les e-girls ils vont l'équiper direct, c'est pour toutes les. Ça c'est visé e-girl. Abeille tricotée. Putain. Et ils vont toutes les mettre. Toutes les e-girls de Valorant là, dès qu'on va voir ça, genre, oh, une abeille. Je connais le chat, on les connaît par cœur. Putain. Vous voyez, ça c'est Arbor. Graffiti, bat les pattes. Esquive le. L'eau de Sky. Bulldog Liberto. Titre grr. Ah, je le faisais avant, j'arrive pas à le faire maintenant. Graffiti, une dernière bouchée. C'est bon pour les graffitis, hein. Putain, elle laisse pas Cypher terminer son McDo, frère. 4 nuggets, il a même pas commencé à manger encore. Ça se trouve, c'était une boîte de 6. Putain, le coca qui s'est renversé. C'est chaud, hein. Pauvre Cypher. Hein. Porte-bonheur, silhouette. Oh, Omen au Starbucks. Putain, c'est stylé. Ils sont bons sur les cartes d'agent. Hein. Riot sont très très forts pour les cartes d'agent. Ah, mais il y a marqué Omen, du coup, il a dit Omen. Et du coup, il y a marqué Omen, j'avais même pas vu.
C'est vrai que c'était marqué Omen, mais c'est Omen. Pour un main Omen, c'est clean comme garde d'argent. Radiant Points, Guardian Silhouette, Graffiti, Courant, Aperon. C'est Jet ça, ok. Putain, on est déjà au niveau 40 déjà, j'ai l'impression que le battle pass est passé vite. Radiant Points. Oh, Pogo, Sarbor. Oh, ils sont pas cassés la tête sur Phoenix, ils ont mis la même pose que... Quand tu t'as Phoenix sur Gold Image, t'as tout le temps cette même... Ils sont même pas cassé la tête pour Phoenix. Pour tous les autres, ils ont fait un truc différent. Pour Phoenix, ils ont laissé comme idée de base, comme Volcanic de base. Pas à fond, hein. Graffiti, bon pour Lego, Reyna, trop mignon. Graffiti, il n'y a qu'une vérité. Trop moche, la Ronda. Trop moche, le chat. C'est quoi ce bout, on dirait un sextoy. On peut voir les autres couleurs, ouais, on va acheter les Battle Pass 60 pour Rocky. Oh, trop bien. Graffiti chute. Avec l'énerve de Jet, c'est encore plus parlant ça. C'est sur Ascent. Ascent Window. Bien. Oh, porte-bonheur, il sent cuit. Stylé ça pour un Made Phoenix aussi. C'est quoi, c'est un... Comment on appelle ça le chat? Plaque de cuisson. Vous avez vu, c'est encore Brim le chat. Il fait de la guitare, Brim. Mais quel beau gosse le chat. Mais Brim, il devient de plus en plus beau gosse dans Valorant. Au début, c'était pas trop ça, mais là, je trouve qu'il devient de plus en plus beau gosse. Hein. Neon qui fait un karaoké, il y a Bridge derrière, Bridge qui fait de la batterie et Gecko qui fait du piano. Elle est 49. Et évidemment, le couteau qu'on avait vu. J'avais dit que ça faisait sextoy, mais en vrai, ça va. On est un petit peu dans le thème paladin. Je sais pas, ça fait penser à un truc genre paladin, garde royale, assassin. Ouais, vous avez capté ou pas? Franchement, ça va, j'aime bien. Le couteau de ce battle pass, il est bien. Sheriff, ensablé. Waouh! Oh, elle pète, wesh! Sans faire d'ajout de mots, mais les cartes d'argent, ils pètent de ouf! Je suis en dirait un film. Allez, c'est UG d'un master. Tu spoil là! Franchement, ils auraient pu mettre Phoenix aussi. Franchement, c'est trop stylé. J'aime bien. Porte-bonheur, Epilogue, ce qu'il est de seul, avec de l'or. Et Omen en or. Oh, en fait, c'est la rune dagger en fait. J'ai juré, c'est la rune dagger. Non, il a un petit flow. C'est le nouveau Rune Dagger, le chat. Rune Dagger en mode assassin. Violet Black, là, ça rend trop bien. On dirait limite un couteau que t'achètes dans la boutique, alors qu'en fait, pas du tout, c'est un couteau Battle Pass. Ils ont fait un effort, là, sur le Battle Pass niveau couteau. Merci, Riot. Merci de nous avoir écoutés. Et au moins, cette fois-ci, le couteau, il ressemble pas à de la merde. Là, on a eu quoi, 2-3 Battle Pass où le couteau était trop moche. C'est bien, ça, pour les gens qui ont pas eu Rune Dagger. Et ça, c'est le couteau Ghost. Bon, le Ghost, il est classique, le chat. Hein. Rouge classique. Waouh. Waouh, wesh. Il a vraiment un flow différent, le shérif. En violet. On dirait pas des skins Battle Pass. Non, le shérif, il est gratuit de base. Vous pensez quoi du Vandal? Oh, les finitions devant, ils sont pas ouf, hein. C'est moi ou c'est un peu flou devant, c'est fait exprès. Ouais, in-game, ça rend pas bien, hein. Putain, je suis d'accord avec vous. Je tombe de haut, là. Putain, pourquoi dans le truc qu'on l'a équipé, on aurait dit que c'était incroyable? Le chat, je crois qu'on s'est fait avoir. Mais pourquoi ça rendait trop bien dans l'équipement? Des fois, il y a des skins qui rendent trop bien dans l'équipement, mais in-game, c'est trop moche. Et à l'inverse, d'autres skins qui sont trop moches dans l'équipement, mais in-game, ça rend bien. Ah non, là, on s'est fait avoir. Regardez quand on le voit par terre et tout, on dirait que c'est une dinguerie. Mais quand on ramasse, c'est comme les meubles sur Instagram. Tu le vois de loin, sur les photos, elles sont trop belles. Tu les vois IRL, on dirait des canettes cassées. Spectre. Non, mais... Non, le chat... Même l'aspect très les... Oh non! Pourquoi c'est comme ça? On dirait des skins alien chelou. C'est bizarre le chat. Mais par terre, regardez, ça rend trop bien. En vrai, c'est la forme. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont déconné. Là. Il y a des couleurs et tout. Ils ont respecté. C'est la forme du skin. C'est le bout et tout. Il est un peu flou, bizarre. Bon, frérot, celui qui voulait voir son skin. Limite, le mec qui a demandé son skin gardien, il sait mieux que le skin de violet là. Bon, j'abuse peut-être. Ça, c'est trop moche. C'est quoi ça? C'est un tapis? C'est un tapis qui vient du Maroc? Bah, on peut pas mettre ce genre de truc sur des armes, frère. On dirait un tapis. Marshall. Non, le chat. Non, j'ai juré, c'est... Encore, Marshall, je trouve ça va. En vrai, Marshall, ça va. On dirait un truc Harry Potter. Ouais, on dirait un truc Harry Potter. Je pense Marshall, ça va. C'est pas si nul. Marshall, ça va.